Bonsoir, famille du Portail, et bienvenue à notre célébration de Noël. On est fébrile de passer cette soirée avec vous. Et juste avant de commencer, on vous invite à prendre les 30 prochaines secondes pour texter un joyeux Noël à au moins 4 personnes de votre entourage. Et pourquoi ne pas les inviter à se joindre à nous en leur envoyant l'hyperlien de notre célébration? On se retrouve dans un instant. Que nous commençons ce Noël hors de l'ordinaire, notre Dieu reste extraordinaire. Ce soir, nous sommes privés de nos proches, mais nous voulons nous rappeler que Dieu, lui, reste proche. Il s'est approché en Jésus-Christ pour nous rapprocher de lui-même et créer son peuple, l'Église. C'est cette descente et humilité que nous célébrons aujourd'hui. Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à Dieu qui n'a pas respecté de distanciation sociale. Gloire à Dieu qui s'est fait humain dans sa forme la plus vulnérable. C'est lui qui naît, qui souffre et meurt. C'est lui qui nous montre notre propre vulnérabilité. C'est lui qui nous montre que nous ne sommes pas seuls. Que nos oreilles prêtent attention aux anges qui racontent que notre Sauveur est né. Proclamons-le sur les montagnes. L'histoire avec un grand H et chacune de nos histoires sont changées. Le silence de Dieu brisé par les pleurs d'un enfant. La création attendait sa venue, sa mère attendait sa venue. C'est elle qui a porté le salut du monde dans son ventre, puis dans ses bras. Après tant d'années sans prophète amenant la parole de Dieu, la parole en chair, Jésus-Christ, s'endort dans les bras de sa mère qui lui souffle une berceuse à l'oreille. Le regard attendri de ses parents terrestres se posa sur celui qui allait les délivrer. À notre tour, on s'imagine entrer dans l'étable où le Sauveur du monde est né. Ses cris nous interpellent et nous disent « Je suis là pour vous ». Dans ces moments où la solitude est inévitable, quoi de plus réconfortant et encourageant que de se rappeler et d'annoncer que Dieu est là? Élevons nos cœurs et nos voix ensemble pour cette célébration spéciale du 24 décembre 2020. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur et avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Thank you.
Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à un ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Pendant que les bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs, voici qu'un ange leur apparaît, de gloire resplendissant. On voit le petit enfant dans la crèche dormant, et voit tous les bergers devant lui prosternés. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création que Jésus-Christ est né. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création que Jésus-Christ est né. Pendant que les bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs, voici qu'un ange leur apparaît, de gloire resplendissant. Entends le chant des anges, louons le Fils de Dieu. Jésus, venez, célébrons-le, et gloire au roi des rois. Par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création que Jésus-Christ est né. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création que Jésus-Christ est né. Que Jésus-Christ est né. De gloire couronnée, de gloire couronnée.
Quel est l'enfant qui se repose dans les bras de sa mère? De qui les anges parlent-ils donc en chantant aux bergers dans les champs? Venez l'adorer, le roi des rois porte le salut, que vos cœurs lui ouvrent la porte. Joyeux Noël tout le monde, très heureux que vous puissiez vous joindre à nous pour cette réunion en ligne de la veille de Noël. Vous savez, au Portail, on a une tradition depuis des années où la veille de Noël, on se réunit. L'année dernière, il y avait 1000 personnes réunies au Portail la veille de Noël pour chanter des cantiques de Noël, pour entendre la bonne nouvelle de Noël. Et après, on retourne dans nos familles pour les grandes célébrations, pour nos parties. Et une des choses qu'on réalise en ce Noël 2020, c'est que la période des fêtes, généralement, est un temps de rapprochement et de fraternisation. Et certainement pas de confinement et de distanciation. En ce Noël 2020, nous sommes sans église, sans service à la chandelle, pour beaucoup sans famille, sans rassemblement. Mais nous ne sommes pas sans Dieu. Et pour l'occasion, j'aimerais vous rappeler la plus grande des promesses bibliques et la grande promesse de Noël. Et c'est la promesse que Dieu donne à l'humanité. Lorsque l'ange se présente à Joseph, voici ce qu'il lui dit. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, Dieu avec nous peut être un cliché et ce que je veux faire, c'est te démontrer que ce que Dieu veut, ce n'est pas tellement de manière générale être avec nous. Dieu avec nous, c'est Dieu avec toi. Particulièrement, ce Noël 2020, Dieu veut être avec toi. Vous savez,
Quelquefois, il y a des choses collectives qu'on a besoin de s'approprier. Une des discussions dans notre famille, en fait, un des désaccords, pour dire la vérité entre mon épouse et moi, c'est que mon épouse a la philosophie qu'on devrait s'offrir un cadeau collectif. Donc, on devrait s'offrir un cadeau familial. Par exemple, nous avons besoin de meubles, on a besoin d'une commode, et mon épouse aimerait que notre cadeau de Noël, ça soit de s'offrir une commode. Moi, je suis un homme mature, responsable, qui n'est pas matérialiste, mais j'aimerais avoir mon cadeau personnel. J'aimerais avoir mon cadeau enveloppé sous le sapin. Je trouve ça triste d'avoir une commode le jour de Noël. Donc, je veux m'approprier le cadeau de Noël. Et de la même manière, je veux que tu t'appropries cette promesse, Dieu avec nous, en fait, Dieu avec toi. Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, il est un Dieu relationnel. Et c'est pourquoi on le voit souvent dans la Bible, il va dire à des hommes et à des femmes, « Je serai avec toi ». Et en ce Noël 2020, Dieu te dit, « Je suis avec toi ». Et pour comprendre cette belle promesse de Noël, on doit comprendre la première vérité fondamentale. Et pour comprendre Dieu est avec nous, tu dois comprendre premièrement, que tu es vraiment seul. Frères, sœurs, amis, nous sommes vraiment seuls. Il y a des gens, tu dis, Pasteur Guetta, tu es censé nous encourager la veille de Noël, puis tu commences en nous disant, tu es vraiment seul. Vous savez, je l'ai souvent dit, pour saisir la bonne nouvelle, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle. Pour saisir la promesse de la célébration, tu dois réaliser la tristesse de ta condition. Et un jour, il y avait une chorale qui se préparait pour le service de Noël. Et le directeur de la chorale se rend compte qu'il y a un problème. Il entend quelque chose, une distorsion, il y a quelqu'un qui ne chante pas les bonnes paroles, mais n'est pas capable de déceler le membre de la chorale qui chante la mauvaise chose. Donc, à tour de rôle, il demande aux gens, « Est-ce que tu peux me chanter? » Puis c'est le minuit chrétien, puis c'est la portion où on dit, « Noël, Noël! » Là, demande à Gertrude, et elle chante, « Noël, Noël! » Fernande, « Noël, Noël! » Puis il fait le tour. Puis à un moment donné, il arrive à Georges, il dit, « Georges, est-ce que tu peux chanter? » Puis Georges déclare de tout son cœur, « Léon, Léon! » Et le directeur de la chorale le regarde, lui dit, « Mon Georges, ton livre de musique est à l'envers. Les bonnes paroles, ce n'est pas Léon, c'est Noël. » Et quelquefois, on prend la promesse de Dieu à l'envers. Pour bien comprendre le fait que Dieu est avec nous, tu dois d'abord comprendre que par nature, tu es seul. L'être humain vit certaines choses complètement seul. Il y a presque 8 milliards d'humains sur la Terre. On nous dit que les gens les plus relationnels ont un réseau de 150 amis, 150 relations. Tu pourrais avoir eu 20 parties de Noël avec 50 personnes. La réalité de la vie, c'est que tu vis des choses dont tu es complètement seul. Il y a des décisions que toi seul peux prendre et dois prendre. Il y a des tentations que toi seul dois affronter. Il y a des injustices que toi seul dois dealer. Il y a des gens qui m'écoutent. Lorsque tu te réveilles la nuit, il y a peut-être quelqu'un à côté de toi dans le lit, mais tu es le seul à devoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui m'écoutent. La boule d'angoisse, l'anxiété qui est dans ton cœur. Il y a des gens autour de toi qui peuvent compatir, mais personne la vit à ta place. Lorsque tu tiens à l'hôtel le jour de ton mariage, il peut y avoir 300 personnes dans l'église, mais tu es seul devant Dieu à faire cette alliance envers une autre personne. Il y a des femmes, vous accouchez, ton mari peut te tenir la main, mais lorsque le docteur dit « pousse », mon ami, tu es seul. Ton mari peut compatir, mais tu es seul. Cette souffrance, tu es seul à la subir. Il y a des gens, tu as vécu un divorce, tes amis peuvent t'encourager, mais lorsque tu retournes à la maison le soir, tu es seul à devoir gérer cette nouvelle situation. Personne ne peut la gérer à ta place. Il y a des gens, tu as reçu un diagnostic de cancer. Les gens autour de toi sont merveilleux. Ils te supportent. Mais tu es la seule personne à vivre avec ce cancer. C'est toi qui as ce diagnostic. Il y a des gens, tu as vécu une perte, un deuil, puis il y a des gens qui ont été au salon lors des funérailles, des gens t'ont offert leur sympathie, mais tu es la seule
à vivre avec cette perte, cette souffrance, ce deuil de la personne qui est disparue. Un jour, nous allons tous mourir et on va faire face à la mort seul. Et la Bible dit qu'un jour, on va tous faire face à Dieu. Un jour, il y aura un jugement dernier. Et alors que tu vas te présenter devant Dieu au jugement dernier, tu peux avoir 5000 amis Facebook, tu seras seul. L'être humain vit certaines choses complètement seul. Et le malheur, c'est qu'on fait face à plusieurs choses sans personne, mais par nature, également sans Dieu. La Bible dit que par nature, l'être humain est sans Dieu. Nous naissons sans Dieu, rebelles, séparés de Dieu. Il y a des gens, dans cette année 2020, tu as eu un beau bébé. Et lorsque le bébé sort du ventre de sa maman, il est déjà dysfonctionnel. Il lui manque déjà quelque chose. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot « privé » en grec, c'est littéralement qu'il nous manque la gloire de Dieu. Fondamentalement, Dieu nous manque. Il nous manque quelque chose et ce quelque chose, c'est Dieu. Donc, par nature, non seulement nous sommes souvent sans personne, mais sans Dieu. Vous savez, on peut manquer d'argent. J'ai déjà manqué d'argent. C'est une expérience difficile. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a de pire que manquer d'argent? Manquer de temps. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a de pire que manquer de temps? Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a de pire que manquer de temps? Manquer de santé. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de manquer de santé? Manquer d'air. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de manquer d'air? Manquer Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que notre humanité manque de Dieu. Elle manque Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Noël nous fournit, selon moi, la plus belle illustration de notre condition. Plusieurs d'entre nous, nous avons un sapin à la maison et plusieurs d'entre nous, nous avons un sapin naturel. Mais en fait, le sapin naturel, c'est un sapin mort. On a coupé un sapin de son environnement naturel. On l'a transporté dans nos maisons. Et ce que nous faisons, nous mettons des guirlandes, nous mettons des boules de Noël, on peut mettre une belle étoile, on peut mettre des cadeaux, ou on peut avoir 3000 $ de cadeaux sous le sapin, mais ultimement, on décore la mort. L'être humain séparé de Dieu par nature est seul. Et nous passons nos vies à vouloir décorer la mort. Nous passons nos vies à vouloir mettre des guirlandes sur notre cœur qui est sans Dieu. Et tu dois comprendre que tu es vraiment seul si tu veux saisir comment est merveilleuse la promesse qui dit que Noël, c'est Dieu avec nous. Et ça amène justement à mon deuxième point. Lorsque Dieu donne cette promesse, voici, il viendra un fils, le Messie Jésus. Son nom sera Emmanuel, qui est un nom prophétique qui veut dire Dieu avec nous. En fait, Dieu avec nous veut dire que Dieu est avec l'humanité. Je rencontre quand même beaucoup de personnes durant cette pandémie et j'entends souvent des gens qui sont anxieux. Je vois des gens qui, même des bons chrétiens qui se demandent, mais où est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que, vous savez, dans le spectre des réactions, il y a des gens qui sont très, très angoissés. Et je veux juste rappeler à tout le monde, frères, sœurs, que Dieu n'a pas abandonné le monde. C'est John Piper qui dit, concernant les temps dans lesquels nous vivons, Dieu fournit au monde, dans la pandémie de COVID-19, comme dans toutes les autres calamités en passant, une illustration physique de l'horreur morale et de la laideur spirituelle du péché qui dénigre Dieu. En d'autres termes, cette pandémie est une parabole, un drame, un panneau signalant le scandale moral de la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous lance un cri miséricordieux en ces jours. Réveillez-vous! Le péché contre Dieu ressemble à cela. Il est horrible et laid et bien plus dangereux que le coronavirus. Non seulement Dieu n'a pas abandonné l'humanité, Dieu veut être avec l'humanité. Dieu veut être avec toi, mon ami. Bon, ce n'est pas un secret. Nous avons adopté le mois dernier un beau petit chaton. Et une des choses qui fait le plus plaisir quand tu adoptes un petit chaton, au début, le petit chaton te fuit. Le petit chaton, je me souviens, on allait le chercher, il était caché. Sous le divan,
On allait le chercher, il tremblait, craignait. Notre petit chaton a disparu pendant 7 heures la semaine dernière. Donc, complètement terrorisé. Mais dans les derniers jours, notre petit chaton veut être avec nous. Donc, le petit chaton, aujourd'hui, me suit partout, veut continuellement être avec moi. Lorsque je ne suis pas là, le petit chaton me cherche. Et quelle joie de voir un petit chaton qui veut être avec moi. Et c'est encore plus vrai pour les êtres humains. Vous savez, j'ai 2 grands-enfants. Lorsque nos enfants sont adolescents, est-ce que je suis seul ou j'ai l'impression que mes enfants ne veulent pas tellement être avec moi? Et mes enfants ont pris de la maturité. Puis dernièrement, on a eu un événement. Puis ce qui a réjoui mon cœur, c'est que je voyais que mes enfants voulaient être avec leur père et avec leur mère. Quelle joie, on peut être marié, mais quelle bénédiction quand tu sens que l'autre veut vraiment être avec toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vraiment être avec l'humanité. C'est pourquoi il avait promis par le prophète Ésaïe, « Voici viendra un fils. » On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a promis qu'il avait un plan pour être avec nous. Et ce plan, c'est ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est le pasteur puritain John Flavel au 17e siècle qui illustre le dialogue entre Jésus et le Père. Et le Père dit à Jésus, et c'est une image de ce que la Bible enseigne, évidemment, c'est romancé, mais le Père dit à Jésus, tu vois cette humanité qui est perdue, qui est en révolte contre moi. Ma justice doit être satisfaite. Donc, ils doivent assumer leur faute. Ils doivent mourir pour leur péché. Et Flavel raconte que Christ aurait pu dire, « Père, je vais payer à leur place. Père, je vais marcher parmi eux. Je vais porter leur faute. Je vais subir ta justice. » Et le Père de répondre, « Si je ne les ai pas épargnés, je ne peux pas t'épargner, même si tu es mon fils. Ma justice ne peut être compromise. » Et Jésus répond, « Père, je paierai tout. J'ai la capacité de tout payer. Je porterai leur peine. Je porterai leur condamnation. » Lorsque Dieu dit, « Voici cette promesse, Dieu avec nous. » Il avait en vue le fait que Jésus était pour s'incarner. Le Fils de Dieu, devenu homme, a marché sur cette terre. Il a fait quelque chose qui, selon moi, même le diable, lorsqu'il a entendu le plan, vous savez, le diable voyait la parole de Dieu dans Ésaïe 7, mais selon moi, le diable ne croyait pas que Dieu était pour aller aussi loin. Que Dieu était pour s'incarner lui-même dans notre monde de ténèbres, de mort, de corruption. Et Jésus était plus loin que tout ce que le diable aurait pu penser, selon moi. Vous savez, lorsque j'ai fait mes études pour devenir pasteur au collège biblique, dans un des cours, c'était un cours d'évangélisation, puis on devait choisir un groupe à rejoindre, puis on devait faire un travail. Et j'ai décidé de faire un travail, une étude pour comment rejoindre, comment communiquer la bonne nouvelle de Jésus aux itinérants. Et pour réussir, je me suis dit, je ne comprends pas c'est quoi un itinérant, donc je dois vivre comme un itinérant pour comprendre. Et j'ai décidé de vivre comme un itinérant pendant 24 heures. Donc, j'étais à la Mission Bon Accueil, qui font un super travail, un super ministère, organisme chrétien envers les itinérants. J'ai mis des vieux vêtements et je me suis arrangé avec la direction. Et pendant 24 heures, j'ai vécu comme un itinérant. J'ai mangé avec les itinérants, j'ai dormi avec les itinérants. Une des pires nuits de ma vie. Imagine dormir dans un dortoir avec 40 itinérants. Imagine, il se passe toutes sortes de choses. Le matin, le petit déjeuner, on doit rapidement sortir. On est à la rue à 7 heures, c'est froid. Ce qui m'a marqué, c'est le regard des gens. Les gens ne me regardaient pas de la même manière. En fait, les gens m'évitaient. Je n'existais pas. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'indifférence. Et j'étais avec un itinérant d'expérience et un itinérant très, très connu à Montréal. Et je me promenais avec lui. Et j'ai vécu comme un itinérant, mais en fait, je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout. Il y a des choses que j'étais incapable de faire. J'étais incapable de fouiller dans les poubelles pour manger dans les poubelles, comme lui. J'étais incapable, lorsqu'on est retourné au refuge, les itinérants doivent prendre une douche. J'étais incapable de prendre une douche collective. Il y a des trucs que je n'ai pas été capable de faire jusqu'au bout. Lorsque j'étais dans un refuge pendant la journée, il y a un homme avec qui je parlais qui a fait une crise cardiaque devant moi. Il est mort devant moi, littéralement. Là. Et j'ai,
Je me suis incarné en itinérant, mais il y avait une limite à mon incarnation. Christ a été jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de limite à l'incarnation de Jésus. Jésus, totalement Dieu, pleinement Dieu, est devenu pleinement homme. Il a souffert. Il a connu la tentation. Tout ça pour être avec nous. Je répète ce que probablement tu m'as déjà entendu mentionner dans le temps de Noël. C'est C.S. Lewis qui dit « Le Fils de Dieu est devenu homme pour permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. » Donc, Dieu avec nous, c'est Dieu avec l'humanité, mais aussi précisément, c'est Dieu avec l'Église. Permettez-moi de faire une parenthèse dans ce temps des fêtes. Premièrement, je veux saluer les auditeurs du Québec et de la francophonie. Vous êtes plusieurs milliers qui ne sont pas du portail à nous suivre en ligne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écrire, à nous encourager, même des gens qui sont généreux, qui donnent. Je veux juste vous remercier à tous ceux. Je vous encourage encore une fois à être fidèles à votre église locale. Mais merci encore une fois de l'attachement que vous avez à Jésus, à la bonne nouvelle de la grâce. Merci pour vos encouragements. Évidemment, notre mission, nous sommes bergers du portail, mais nous avons à cœur le royaume de Dieu. Donc, je veux juste vous remercier. Vous remercier de tout ce que vous faites et du fait que vous puissiez persévérer. Je vais également prendre quelques instants pour m'adresser aux membres du portail, aux frères et aux sœurs qui fréquentent le portail, pour vous encourager, vous remercier. Frères, sœurs, depuis 10 mois, nous avons été sans réunion. Mais je veux vous rappeler que depuis 10 mois, nous n'avons jamais été sans Dieu. Dieu a été fidèle, Dieu est fidèle envers le portail. Dieu est fidèle envers chaque famille du portail. Dieu est fidèle envers les pasteurs du portail. Dieu est fidèle envers l'équipe du portail, envers les membres du portail. Et une des paroles qui était sur mon cœur dans la parole de Dieu, qui est un réconfort pour moi dans ces temps difficiles où on n'a pas de rassemblement, c'est dans Ésaïe 43 qui nous parle de comment Dieu est avec le portail. Voici ce que dit le prophète Ésaïe. Maintenant, et c'est une promesse pour nous, portail, qu'on puisse la chérir dans nos cœurs. Maintenant, ainsi parle le Seigneur. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, nous traversons des eaux tumultueuses présentement, regarde ce que dit le Seigneur. Je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Église, cette pandémie n'emportera pas l'église de portail. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Les enfants de Dieu ne brûleront pas par la chaleur de cette pandémie. Dieu nous protège et les flammes ne te dévoreront pas. Pourquoi? Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. N'aie pas peur car je suis avec toi. Dieu avec nous, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un cliché. Dieu est avec nous. À Noël, on se rappelle que Dieu est avec nous 365 jours par année. Écoute bien. « De l'Orient, je ramènerai ta descendance, et de l'Occident, je te rassemblerai. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. Quiconque est appelé de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé, façonné et fait. » C'est le pasteur Matthew Henry, encore une fois du 17e siècle, qui dans un grand commentateur biblique, qui sur ce passage va dire la chose suivante. « Dieu est avec l'Église. » Frères, sœurs, Dieu est avec l'Église. Dieu est avec l'Église et donc qu'elle ne craigne pas. Aucun de ceux qui lui appartiennent ne sera perdu. Ma conviction, c'est qu'alors qu'on est éparpillé, dispersé, distancé, tout ça, Dieu voulant, sera bientôt derrière nous et Dieu ramènera à lui ceux qui lui appartiennent. Donc, ne craignons pas. Vous savez, mon réconfort au portail, c'est que depuis plusieurs années, nous prêchons l'importance d'être centré sur Jésus, d'être ancré dans la parole, de marcher par l'Esprit, d'appliquer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Vous savez, plusieurs d'entre nous, on a commandé nos cadeaux de Noël en ligne il y a un mois. Pourquoi? Pour les avoir à temps. On s'y est pris d'avance. Portail? Pour finir cette parenthèse, ma conviction de pasteur principal du portail, c'est que depuis des années, Dieu a préparé d'avance cette pandémie pour le portail. Depuis des années, en nous amenant à se centrer sur Jésus, à s'ancrer dans la parole,
Dieu nous a préparés pour un temps comme celui-ci. Et ma conviction, c'est que l'Église de Portail sortira encore plus forte de cette pandémie pour la gloire de Dieu. Et tout ça nous rappelle, alors qu'on se fait enlever nos festivités, on se fait enlever des membres de nos familles, cette pandémie nous enlève des choses qui nous sont chères. J'aime beaucoup ce que C.S. Lewis a dit. Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu peux perdre. Frères, sœurs, on a perdu beaucoup de choses en 2020, mais nous n'avons pas perdu Jésus. Nous n'avons pas perdu la parole de Dieu. Nous n'avons pas perdu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas perdu l'Église de Jésus. Alléluia. Et en terminant, donc, cette belle promesse de Noël qui te rappelle Dieu avec nous, premièrement, tu dois réaliser que tu es vraiment seul. Par nature, nous sommes sans Dieu. Dieu avec nous, ça veut dire que Dieu est avec l'humanité. Jésus est venu sur cette terre. Dieu, de manière plus particulière, est avec l'Église. Mais le point focal de mon message est le suivant. À toi qui visionne cette réunion en ligne, je veux déclarer que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Maintenant, Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu est partout dans l'univers. Si on prenait un satellite et on l'envoyait aux confins de l'univers, à l'extrémité de l'univers, Dieu sera encore présent. C'est pourquoi le psalmiste va dire dans le psaume 139, « Où fuirais-je loin de ta face? Si je vais dans les cieux, si je vais aux profondeurs, dans la profondeur de la terre, si je vais à l'autre bout de la terre, tu es toujours là. Dieu est partout. » Maintenant, tu dois comprendre que Dieu est partout, mais Dieu veut être particulièrement présent dans ta vie. Dieu est partout dans l'univers, mais Dieu est particulièrement présent dans la vie de ses enfants. Et quand Dieu promet un jour que Dieu sera avec nous, il promet que Dieu sera un jour particulièrement, personnellement présent dans la vie de ceux qui se confient en lui. Vous savez, quelquefois, pour comprendre la distinction, quelquefois ma femme me reproche de ne pas être là. En fait, je suis là, je suis dans la cuisine avec elle. Mais elle me dit, t'es pas là. Oui, je suis là. En fait, je suis présent de corps, mais pas d'esprit. On le vit, on fait beaucoup de Zoom, les pasteurs, et souvent de fois, je vois des collègues, la personne est présente, mais elle n'est pas avec nous. Maintenant, Dieu est partout dans le monde, mais il est seulement avec ses enfants. Et c'est pourquoi, tous ceux qui se confient en Jésus, je veux déclarer, Dieu est avec toi. 1 Jean 2, 23 nous dit que celui qui a le Fils a le Père, celui qui a Jésus. Est-ce que tu as Jésus? Si tu as Jésus, tu as Dieu, tu as le Père. La Bible nous dit, Jésus a dit, je retourne vers le Père et je vais vous envoyer un autre Consolateur, le Saint-Esprit qui sera non seulement avec vous, mais en vous. OK, frère, sœur, Dieu avec toi, c'est non seulement Dieu à côté de toi. C'est plus que Dieu en arrière de toi, c'est plus que Dieu en avant de toi, c'est plus que Dieu qui veille sur toi, c'est plus que Dieu au-dessus de toi, c'est Dieu en toi. Vous savez, je peux perdre mes clés, mais je ne peux pas perdre mon cœur, parce que mon cœur est en moi. Maintenant, frères et sœurs, on peut perdre beaucoup de choses dans ce Noël 2020, mais nous ne pouvons pas perdre Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Dieu est avec toi. Un jour... Un enfant dans une forêt avec son papa, puis il lui dit, « Papa, j'ai peur. Est-ce que je peux tenir ta main? » Puis le père lui dit, « Mon enfant, c'est pas toi qui vas tenir ma main, c'est moi qui vais tenir ta main. » Puis l'enfant lui dit, « Mais papa, c'est quoi la différence? » Voici la différence. Si c'est toi qui tiens ma main, le moment où tu vas avoir peur, tu vas lâcher ma main. Si c'est moi qui tiens ta main, peu importe ce qui arrive, je ne vais jamais lâcher ta main. Frère, sœur, Dieu te tient la main présentement. Peut-être que toi, tu as l'impression dans cette année 2020 qu'il y a eu des saisons où tu as lâché la main de Dieu. Dieu n'a jamais lâché ta main. Que tu sois dans ton salon seul, que tu écoutes ce message en famille, que tu sois à l'hôpital, que tu sois ton chiffre de travail pendant ta pause, que tu sois en voiture. Dieu te tient la main. Dieu est avec toi. Et rien ni personne ne peut t'enlever l'Esprit de Dieu qui est avec toi. C'est la bonne nouvelle de Noël. Et je termine avec ceci. Noël, c'est Dieu avec nous. Ultimement, pourquoi? Parce que Dieu est avec toi.
Je rappelle, pour nos amis peut-être qui c'est le premier message que tu écoutes, puis je veux être clair avec toi. C'est quoi Noël? Noël, c'est Dieu qui est un Dieu de gloire, un Dieu d'amour, de bonté, qui a créé l'humanité pour être en relation avec cette humanité. Cette humanité s'est révoltée, a voulu vivre dans l'indépendance. Cette humanité a craché au visage de Dieu et a dit à Dieu, on va s'arranger avec nos affaires. Et cette humanité vit la mort, la maladie, vit le chaos. Pourquoi? Parce que cette humanité a éjecté Dieu de son monde. Mais Dieu a créé le monde, puis Dieu ne se laisse pas éjecter du monde. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle. Et la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est venu sur la terre. Vivre comme un homme. Puis peut-être tu m'écoutes, tu dis, mais moi, je suis une bonne personne, je n'ai pas besoin de ça. Il y a une seule bonne personne qui a marché sur cette terre pour le crucifier, c'est Jésus. Tous les autres sont des pécheurs, toi et moi inclus. Puis Jésus est venu pour des pécheurs, puis il a marché de manière droite, juste, bonne. Puis il est mort à la croix pour toi et moi. Parce que notre péché, qui est un affront à la justice de Dieu, doit y avoir réparation. Puis Jésus est mort à ta place. Mais Jésus a payé la dette de notre péché, puis la mort n'a pas pu le garder, puis il est ressuscité, puis il est remonté vers le Père, puis il a envoyé son esprit à tous ceux qui se confient en lui. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et tous les jours inclut ce jour où tu visionnes ce message. Alors que plusieurs, tu es dans la tristesse, tu es dans l'angoisse, tu es dans la peine, Dieu est avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la bonne nouvelle de Noël. Tu n'es pas seul. Peut-être que tu n'as pas vu tes petits-enfants depuis longtemps. Peut-être que même il y a des conjoints quelquefois qui sont séparés. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu médical que même tu ne vois pas tes enfants dans le temps des fêtes. Grand-papa, grand-maman, des amis qui sont chers, qui sont quelquefois des amis qui sont plus chers qu'un frère et une sœur. Je termine en disant que Noël nous rappelle que tu n'es pas seul. Je parlais tout à l'heure en commençant que par nature, nous faisons face à plusieurs choses seules. Mais lorsque quelqu'un se confie en Jésus et reçoit l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de toi, tu n'es plus jamais seul. Donc, les décisions que tu dois prendre seul, en fait, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu te dirige à prendre les bonnes décisions. Alors que le diable t'attaque puis le diable veut te ravager, tu n'es plus seul, tu n'es plus livré à toi-même. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te protège. Alors que tu vis des injustices, tu n'es plus seul. Dieu pleure avec toi et Dieu guérit ton cœur. Alors que tu vis de l'anxiété et tu as cette boule et tu es la seule personne à pouvoir la gérer, non, tu n'es pas la seule personne. Dieu te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie qu'aucun traitement ne peut faire parce que Dieu est avec toi. Alors que tu es là, puis tu es à l'hôtel, puis tu prends une alliance, et peut-être que ton mariage bat de l'aile. Puis peut-être que tu as l'impression que tu es la seule personne à se battre pour ton mariage. Mon ami, tu n'es pas seul. Dieu se bat pour ton mariage. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu est le plus grand défenseur de ton mariage. Et même lorsque vous êtes deux, quelquefois à jeter la serviette, à jeter l'éponge, Dieu continue de se battre pour des mariages. Alors que tu reçois un diagnostic, puis que ta famille est compatible, puis que tu es seul, ou alors que tu vas te faire opérer et que tu franchis les portes et que ta famille est laissée derrière. Dieu n'est pas laissé derrière. Dieu est avec toi sur la table d'opération. Alors que tu vis un deuil, alors qu'il y a des gens que tu as perdu et tu es seul à porter ta peine, non. L'Esprit à l'intérieur, le Consolateur, Dieu est avec toi. Nous allons tous mourir. Puis nous mourrons seuls sans personne, mais en fait, le chrétien ne meurt pas seul. Dieu va te tenir la main, Dieu te tient la main. Au moment où tu vas fermer tes yeux pour la dernière fois, et sais-tu quoi, quand tu vas les ouvrir dans l'éternité, dans la gloire, Jésus va être encore en train de te tenir la main. Dieu est avec toi. Ne laisse pas ce Noël 2020 enlever cette vérité, ce trésor que Jésus est avec toi.
Et cette promesse est vraie non seulement pour toi, mais pour tes bien-aimés qui se confient en Jésus. Il y a des gens qui m'écoutent et tu penses peut-être à un proche qui est à l'hôpital, un parent qui est peut-être dans une résidence que tu ne peux pas visiter ou dans un CHSLD. Dieu dit, « Je serai avec toi dans la vieillesse. » Tes bien-aimés qui se sont confiés en Jésus toute leur vie. Dieu ne les abandonne pas. Dieu est avec eux. Peut-être que toi, tu n'es pas là, mais il y a quelqu'un de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus important qui est avec eux, qui les accompagne. Nous avons besoin de relations, je ne veux pas le banaliser. Je veux simplement t'encourager, te faire réaliser que Dieu est avec tes bien-aimés. Des gens autour de toi qui sont éprouvés. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Dieu est là. Donc, frère, sœur, ami, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, je t'encourage en ce Noël 2020, le plus beau cadeau que tu peux recevoir, c'est la vie de Jésus, c'est le pardon de Jésus, c'est la nouvelle vie de Jésus. Donc, je t'encourage maintenant à te repentir, à rejeter cette vie sans Dieu, puis à te confier en Jésus, à recevoir Jésus. C'est ce que je te défie de faire. Et pour tous ceux qui disent, Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, ne doute pas. Ne prie pas, Dieu soit avec moi. Dieu est avec toi. Alors que je te parle, Dieu est avec moi. Alors que tu m'écoutes, Dieu est avec toi. Peu importe. Tous les jours, Dieu est avec toi. Donc, frères et sœurs, relevons la tête. Célébrons Jésus, qui est la raison de la saison. Emmanuel, Dieu avec nous. Rien ni personne ne va changer cette vérité. Chérissons-la dans nos cœurs. Père, merci pour ce jour de Noël. Alors qu'on nous a enlevé beaucoup de choses, l'essentiel ne nous est pas enlevé. Tu es avec nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui prenne quelques instants de leur temps pour se rappeler ta naissance, se rappeler l'œuvre de la croix, se rappeler ce qu'Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous, nous procure. Seigneur, je te prie pour une nouvelle réalisation de ta présence dans la vie de chacun. Je prie pour celui et celle qui se sent seul, que de manière surnaturelle, qu'il puisse ressentir ta présence, qui est plus qu'une expérience émotionnelle, qui est une réalité spirituelle de l'enfant de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que tu puisses faire réaliser à chaque personne, rappelle-nous que tu nous tiens la main, que tu nous tiens la main, que tu nous tiens la main. Mon enfant, je te tiens la main. Je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Je te prie pour des frères et des sœurs qui sont à l'hôpital, des sœurs et des sœurs, des frères et des sœurs qui sont isolés, des frères et des sœurs qui sont affectés, démoralisés. Seigneur, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de nos proches. Tu nous as créés pour être en relation. Mais nous réalisons également que nous avons des besoins que toi seul peux combler. Donc, merci d'être Dieu avec nous. Donc, manifeste-toi dans la vie de chaque personne. Et je prends en terminant pour des amis qui écoutent ce message, qui réalisent leurs besoins de Dieu, leurs besoins de Jésus, et qui se disent, comme j'aimerais que Dieu soit avec moi. Seigneur, je te prie, ne visionne pas cette vidéo par hasard. Tu as prévu ce moment. Tu as prévu ce jour. Et je te prie que ce jour soit le premier jour de nombreux autres où ils pourront dire, Jésus est avec moi. Donc, en ce temps de Noël, merci. Merci d'être venu. Merci. Merci, Seigneur, d'être le Dieu avec nous. Merci. Non seulement, c'était vrai il y a 2000 ans, mais chaque jour de notre vie. Merci d'être avec nous. À toi la gloire. Amen. Frères, sœurs, amis, joyeux Noël. Nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix, mais soudain, dans l'air pur et frais, le des anges, ô berger.
sainte nuit, dans les tables, aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant que Marie endort. Sauver
pécheurs. Il vient tel un frère, votre puissant rédempteur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Notre reconnaissance.
naissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. France, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Merci d'avoir été là à notre célébration du portail. On espère que vous avez passé un bon moment. Pendant ce temps des fêtes, gardons Jésus au centre de toutes nos festivités. On vous souhaite un joyeux Noël!